Bonjour déjà. Bonjour. Quel effet ça fait de se dire qu'on est enfin un joueur de Montpellier? Je suis très heureux. Ça fait cette histoire a commencé, ça fait plusieurs années où je devais signer ici et voilà aujourd'hui c'est fait. C'est le club de ma région. J'ai toujours voulu signer ici et aujourd'hui c'est fait, donc soulagé et prêt à commencer à faire une très très bonne saison avec Montpellier. Qu'est-ce qui t'a poussé à relever le challenge Montpellier, justement? Tout, déjà, voilà, comme je viens de le dire, c'est le club de ma région. Voilà, c'est un club que voilà, j'ai grandi avec. J'ai toujours joué contre Montpellier. Voilà, j'ai toujours espéré jouer dans ce club. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive dans ce club en Ligue 1, donc c'est fantastique. Tu rentres à la maison, en quelque sorte? Oui, c'est exactement ça. Et voilà, pour moi, c'est important de... Voilà, dans ma carrière, je m'étais dit qu'il fallait que je joue à Montpellier. Il y a toute ma famille, il y a beaucoup d'attentes ici et c'est de la bonne pression et j'adore ça. Il y a des joueurs que tu connais dans ce club? Oui, alors il y a Stéphane Paganelli qui est le préparateur que j'ai eu dans mes premières années pro à Ajaccio. Il y a Paul Lannes aussi. Après, il y en a plusieurs contre qui ça faisait un moment que je jouais. Hilton, Congré, Roussillon, il y en a un paquet. Il y a le Comte aussi, donc il y a un paquet que je connais. Ouais. Plusieurs contre qui tu as marqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Montpellier, ça m'a toujours réussi. J'ai marqué à Lamousson, j'ai marqué avec Ajaccio. Et voilà, c'est un club qui me réussit, et Lamousson particulièrement. Quels sont tes objectifs individuels et collectifs, justement, au moment d'arriver ici? Finir le plus haut au classement. L'année dernière, ils ont fait une très très bonne saison et voilà, c'est important de le refaire et continuer à être solide défensivement comme ils l'ont fait l'année dernière. Et voilà, après, individuellement, c'est marquer le plus de buts, être le plus décisif possible et apporter énormément à l'équipe. Est-ce que tu as un message pour tes nouveaux supporters qui t'attendent avec impatience? Ouais, déjà, je les remercie parce que je reçois énormément de messages. La plupart, ils me disent bienvenue chez toi ou bienvenue à la maison. Et voilà, comme je dis, ça me fait chaud au cœur parce que c'est quelque sorte, c'est ma maison. C'est quelque part où j'ai l'impression que voilà, je suis chez moi. Et déjà ça, c'est énorme de se sentir directement impliqué comme ça dans le club. Et voilà, donc j'ai déjà hâte que le championnat commence, de reprendre l'entraînement avec mes nouveaux coéquipiers et entamer une bonne saison pour les efforts qu'on fait le club et tous les gens qui travaillent dans le club. Tu as le sang chaud, un tempérament sudiste, ça devrait plaire ici. Ouais, c'est souvent ce qui par rapport au message et tout, c'est ce qu'ils me disent, un nouveau guerrier. Et, voilà, sur ça, je ne vais pas les décevoir. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours mouillé le maillot et ici, ça sera encore pire parce que c'est chez moi et on va laisser personne en bas chez nous et même à l'extérieur. Donc je vais défendre un maillot qui est le mien et voilà, j'ai vraiment faim et ça va le faire, je pense.